Exercer les jeunes à l'écoute des dieux, voilà les soucis majeurs qui animent la direction de l'Église néo-apostolique de la RDC Sud-Est. Dans ces contextes, les Journées nationales de la jeunesse sont projetées en juillet 2020. Cet événement de taille est conçu au profit des jeunes des six districts apostoliques, à savoir Kolwezi, Kipushi, Fungurume, Likasi, Lubumbashi Nord et Sud. L'initiative portée par l'Église territoriale entend assurer le suivi des jeunes en les aidant à devenir des personnalités fortes dans la foi et conscientes de leurs responsabilités. En 2018, les travaux préparatoires des Journées nationales de la jeunesse de la RDC Sud-Est ont débuté. Les réunions s'étendent aux responsables des jeunes. La structure organisationnelle est mise en place, les mottos ou mieux la devise est définie. Un recensement des jeunes est décidé, la configuration du service divin est inspirée du modèle du récit, de la parabole du semeur d'après l'évangile selon Matthieu. Les services divins que l'apôtre Patriarche va tenir, ça sera un service divin de jeunesse. Et ça aura lieu à Kasenga. Na itakuwa pale Kasenga. Ça sera en plein air. Itakuwa ni fasi tu ya wazi. Changement de configuration. Mana yake utabadilisha fasi. Nous serons dans la version où Jésus prêche sur la barque. Na tutakuwa fasi yenye Yesu yuko na hubiri pa kiombo. Et la multitude est assise sur la plage. Na sasa wengi wameketi pale pembeni ya bahari. Dans la géométrie de Jésus. Parle Éternel, car ton serviteur écoute. Le 25 janvier 2019, l'apôtre des districts, Chichi Tshisekedi, a réuni dans la chapelle de centre-ville le responsable de son champ d'activité ainsi que les frères et sœurs appelé à matérialiser les JNJ 2020. La période de la célébration des journées est fixée du 17 au 19 juillet 2020, donc avec un concert à Lubumbashi et un service divin à Kasenga, sans oublier des réunions des apôtres et évêques. Le nombre de participants est évalué à plus ou moins 10 000 jeunes en provenance de six districts apostoliques concernés. Au cours de cette première rencontre de prise de contact, l'APD Chichi Tshisekedi, avec projection à l'appui, a présenté les projets en détail. À l'occasion, il distribuera à chaque participant le fascicule contenant son exposé du jour. Pour l'exécution de tâches, la coordination s'est fait appuyer des commissions. La logistique, le transport, l'hébergement, la restauration et la liste n'est pas exhaustive. Kasenga, ce territoire du Haut-Katanga, situé à 225 km de Lubumbashi, a les privilèges d'être choisi pour abriter le service divin en marge de Journée nationale de la jeunesse de l'Église néo-apostolique de la RDC Sud-Est. Pour palper les réalités sur terrain et se faire une représentation réelle de ce que sera l'organisation, une forte délégation constituée des membres issus des différentes commissions effectue les déplacements en date du 15 au 17 mars 2019. Sur place, le travail s'effectue en synergie. Nonobstant, chaque commission a eu le temps de scruter le terrain et prélever les données nécessaires pour la réalisation du job description. De nombreux sites ont été visités, dont l'aérogare, l'Institut technique du cinquantenaire, ainsi que les abords de la rivière Lapula au port 1. C'est que pour nous, c'est une bénédiction sur le plan spirituel. Nous avions été choisis parmi beaucoup de milieux pour recevoir une si grande activité spirituelle. Des deux, ce sera un coup de pouce par rapport à l'économie du milieu. Au terme de rencontres formelles et informelles, la primeur est revenue à l'apôtre des districts, Chichi Tshisekedi, de procéder au lancement officiel de Journée nationale de la jeunesse de la RDC Sud-Est. Le samedi 30 mars 2019, il est lancé officiellement
Dans la communauté centrale du Kawama, dans la commune Rwashi, les activités liées aux Journées nationales de la jeunesse de la RDC Sud-Est. Devant un échantillon représentatif de jeunes, le chef de l'église territoriale de la RDC Sud-Est, l'apôtre des districts, Tshitshi Tshisekedi, a sensibilisé ses interlocuteurs à participer massivement au JNJ Lubumbashi Kasenga 2020. L'occasion faisant les larrons, le kit des campings sera présenté aux jeunes. Pour que la réussite soit maximale, l'APD a communiqué les coûts de participation au JNJ. Au regard des dépenses telles qu'évaluées, la souscription est fixée à 72 dollars américains, payable en deux tranches de 36. Donc vous êtes hautement protégé, donc il n'y a pas d'accident. Namuna kingili watena vizuri zaidi. Avec la contribution financière fixée à 72 dollars, en vue d'une participation totale, une série de micro-projets est proposée aux jeunes et un échéancier est mis en place sur 12 mois, soit d'avril 2019 à avril 2020 pour l'acquisition des kits des campings, le transport et la restauration. Faire fabriquer ces briques que nous les vendons pour que nous ayons de quoi payer, de quoi contribuer et avoir l'équipe pour aller à l'Assemblée. Nous sommes sûrs et certains que nous irons. La sensibilisation s'est faite à tous les niveaux et les jeunes jouent le tout pour le tout pour ne pas rater l'événement de juin 2020. Alors les jeunes doivent se connaître, c'est pour qu'ils soient fortifiés dans leur vie de foi. Nisa Jeep ya mitume kwa sababu ni bo batakuwa na usoni wa hii kanisa. Bakwe vijana bale wanapasha kuwa na nguvu katika imani kwa sababu kesho ni bo bataendelesha kanisa. La coordination de ce vaste programme ne cesse de compter sur l'appropriation de la part de tous les jeunes. La sensibilisation se poursuit à tous les niveaux. Dans les communautés, les jeunes sont régulièrement réunis en vue de s'y ranger. Pour que la Journée nationale de la jeunesse soit une réussite, plusieurs réunions sont convoquées avec le team leader. À chaque rencontre, les contours du projet sont évoqués et l'évaluation faite sans complaisance. Après la première visite du site de Kasenga, plusieurs autres descentes ont lieu sur place. L'étude minutieuse faite par les membres des différentes commissions à pied d'œuvre. Les expertises se font avec les descentes effectuées et les simulations. Le projet s'est construit progressivement. En plus des réunions et autres rencontres, les services divins en vue de la bonne préparation des Journées nationales de la jeunesse sont au rendez-vous. Ils sont organisés à la communauté centrale du Kawama, à l'intérieur comme à l'extérieur, et dans les autres districts apostoliques concernés. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre jeunesse ait de plus en plus en elle la nature de Jésus-Christ. Inis-nous à l'apôtre patriarche. Accorde-nous mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous entendons ce matin la parole dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 10, le verset 23. Bien-aimés en Christ, frères et sœurs, vous souhaitant tous la bienvenue, le Seigneur s'adressera à moi. C'est par là que nous avions commencé les projets. Dieu s'adresse à moi. Quand il s'adresse à moi, je deviens très attentif. Wakati anazungumza nami mimi nakuwa na uangalifu. Et je suis disposé moi à suivre ses instructions. Et aujourd'hui nous sommes en train de chuter. Na leo tunamaliza. Parce qu'il n'y a que quelques jours qui nous séparent de Kasenga. Kwa maana kuna masiku tu kidogo inatuachanisha na Kasenga. Nous allons développer ce dimanche les derniers axes. Maana yake
juma hii tutanenepesha ile nukta ya mwisho. Et je deviens une personnalité forte dans la foi néo-apostolique. Lingana ta personnalité tu dois la définir dès maintenant. Tunasema bumutu bako unapasha kubonesha tokia sasa. Personnalité liée à ta foi. Na bure bumutu bunatokea kwenye kujiunga kwa imani yako. La foi est non et une identité. Elle s'appelle la foi néo-apostolique. Na imani yako inajulikana iko na jina. Jina lake ni kanisa jipe la mitume. Cette foi est liée à une confession de foi. Na kwa ile imani kuna kukiri kwa imani. Et c'est ça qui détermine ta communauté religieuse. Na nini naonesha sasa msingi ya imani ya kanisa lako. Alors, reste fort dans la foi. Kumbizi baki na nguvu mkanisa jipe la mitume. Et maintenant, qu'est-ce qui va définir ta personnalité? Na nini nitaonesha bumuntu kwako? C'est ton taux d'adhésion. Na ni kufatanisha na kipimo ya kujingiza kwako. Alors, si tu adhères profondément. Na kama unaingia na mizizi ndani, ta personnalité deviendra de plus en plus forte. Na bumuntu kwako utaonekana kuwa na nguvu. Au sein de la foi néo-apostolique. Ndani ya imani ya kanisa jipe la mitume. Nous les célébrer dans ce cercle, nous préparer aussi en route vers Kasenga. Au sein de l'église territoriale. Il kusema vijana katikati ya kanisa ya kiteritoria. Il est vraiment placé au centre de la pastorale. Pierre avait peur. Pedro alikuwa na boka. Bien qu'il soit riverain. Ijapokuwa yeye aliishi pembeni ya maji. Pêcheur qu'il était. Mulobaji mwenye alikuwa. Mais le problème c'était le niveau de ces vents là. Très important, s'il vous plaît. Ce qui façonne ta personnalité, mon frère et ma soeur, c'est ta foi. Pour que nous puissions aussi devenir cette personnalité. Chacun de nous avec son attribut divin. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui et éternellement. Amen. En septembre 2019, 50% des contributions financières sont réalisées. La liste établie reçoit la souscription de près de 5000 jeunes. La commande des kits de camping est faite en Chine. En novembre 2019, la production des kits est terminée. Commence alors le processus de livraison à Lubumbashi qui va s'achever au début du mois de mars 2020. Alors que la deuxième tranche devant couvrir le transport et la restauration est en cours, fin mars 2020 est déclarée officiellement la pandémie de COVID-19 en RDC qui a eu pour conséquence le confinement du pays avec interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes. Officiels et privés sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. Le coronavirus aura donc de l'impact négatif sur les JNJ 2020. En août 2020, les activités religieuses peuvent reprendre sur décision des autorités du pays, mais sous un protocole sanitaire anti-Covid très sévère. Du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux de culte. Du coup, il fallait reporter les JNJ 2020 à juillet 2021, mais aussi l'adapter aux normes sanitaires mises en place. La levée de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la pandémie. Il nous faudrait plutôt redoubler de vigilance et respecter plus qu'avant et scrupuleusement toutes les dispositions sanitaires mises en place par nos autorités. Nous sommes alors autorisés officiellement de rentrer dans nos rassemblements. Merci au Tout-Puissant pour cette grâce. Un planning de travail mis à jour est publié. Une autre descente va s'effectuer sur le site de Kasenga. Le jour avance,
Le JNJ approche. Il faut passer à la vitesse supérieure. Les conteneurs gardés depuis plusieurs mois à Kawama sont ouverts pour constitution des kits. Je procède en ce jour au lancement de début des travaux de constitution des kits financés par nos jeunes et à l'occasion de l'organisation des journées nationales de la jeunesse de la RDC Sud-Est, JNJ 2020. Voilà. Une cérémonie présidée par l'apôtre des districts, Chichi Tshisekedi, qu'accompagnait l'apôtre responsable, Jean-Luc Tanga. Pendant ces temps, les répétitions s'enchaînent. L'équipe audiovisuelle et la chorale travaillent en symbiose pour les aspects des sonorités. Enthousiasmé de communier avec les jeunes de la RDC, l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider apporte une lueur de sport au JNJ en annonçant lors du service divin de la Pentecôte sa visite au Congo en juillet 2021. Que je visite aussi les deux districts du Congo, j'ai déjà les tickets pour y aller, j'ai envie d'y aller. Et merci pour vos prières et petit à petit, nous revenons à une vie normale. En dernière minute, ce voyage sera annulé pour raisons sanitaires suite à l'apparition de la troisième vague de Covid-19. La nouvelle est tombée comme un coup de foudre à quelques jours de l'événement. Il a fallu prendre une décision courageuse. C'est ainsi que l'apôtre des districts, Chichi Tshisekedi, reporte les services divins de Mbujimayi ainsi que les activités ministérielles y associées. Par contre, il décide de maintenir le JNJ 2020 à Kasenga, ne pouvant plus garder dans les conteneurs des kits ayant totalisé 15 mois d'entreposage dans un climat tropical. Ainsi, la date et les lieux restent inchangés. Les JNJ 2020 sont maintenus le dimanche 25 juillet 2021 à Kasenga, dans un cadre particulier aux côtes de la rivière Luapula. Quelques jours avant le JNJ, les équipes d'avance sont déployées sur Kasenga sous l'œil vigilant de l'ARC Jean-Luc Ntanga. Le service divin est minutieusement préparé. L'apôtre du district Chichi Tshisekedi est reçu en audience par les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. À l'occasion, l'autorité provinciale est saisie de l'organisation des JNJ 2020 à Kasenga. Plus rien ne va arrêter la machine. Son Excellence Monsieur le Gouverneur, par rapport à un grand événement que l'Église compte organiser dans peu de jours, exactement le 25 juillet prochain, le dimanche, dans le cadre de la pastorale de notre jeunesse, qu'on a intitulé les Journées Nationales de la Jeunesse de l'Église non apostolique de la RDC Sud-Est. Et vous savez, comme moi, ce qui se passe actuellement dans les pays sur le plan sanitaire, nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi sans avoir d'abord l'aval de l'autorité et lui rassurer que tout ce qui sera fait sera exécuté dans les respects stricts des mesures sanitaires édictées par lui liées à la pandémie actuelle. Samedi 24 juillet 2021, les jeunes sont rassemblés dans deux sites, au complexe Omnisport Kiwele pour le frère et dans la cour de la chapelle de Kawama pour les sœurs. Après checking de part et d'autre, les jeunes de Kipushi, Likasi, Fungurume, Kolwezi se joignent à ceux de Lubumbashi pour l'embarquement vers Kasenga, territoire situé à 225 km de Lubumbashi. Pour s'assurer que tout est mis en place, l'apôtre des districts Chichi Tshisekedi vient réconforter les jeunes dans les deux sites. Jamais on n'y est, mais il y a un monde d'amour.
Après plusieurs heures de route, les jeunes débarquent sur Kasenga. Sur place, deux sites sont aménagés, l'un pour les sœurs et l'autre pour le frère. Dans un contexte de camping, les jeunes vont passer nuit en plein air. Les kits avec tout le nécessaire vont servir à cette fin. Tout est mis à contribution pour garantir au mieux les bonnes conditions hygiéniques. Les jeunes commencent à arriver au site aménagé pour les services divins. L'accès est soumis à un contrôle sanitaire rigoureux. Les ports du masque, la désinfection sont obligatoires. L'apôtre des districts Tshitshi Tshisekedi peut alors arriver. Il se soumet aux dispositions protocolaires et sanitaires. La chorale rangée accueille l'homme des yeux. Bienvenue, cher apôtre du district. Merci. Et maintenant, par le Seigneur, garde ton serviteur et Akisana, un immense merci pour les jolies fleurs. Merci aussi pour les super mots d'accueil. Si c'était possible, j'allais dire Amen, comme ça le service divin est terminé. Ensuite, minutes, direction la sacristie érigée pour la circonstance. Tout est enfin prêt, le service divin peut commencer. L'un des temps forts de cet événement est cette apparition de l'officiant à bord d'une barque. D'introduction est entonné. L'apôtre du district est accompagné des trois apôtres responsables. L'hôtel.
Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon Père éternel, grand Dieu d'amour, Père Saint et Père Tout-Puissant. Baba mwema wa milele, Mungu mkubwa wa mapendo, Mungu mtakatifu na Baba mwenye uwezo yote. C'est l'apôtre patriarche lui-même qui devait se tenir ici. Et nous savons qu'à ces instants, c'est lui qui est là. Et c'est cette communion que nous voulons encore garder avec lui à ces instants. Accorde-nous, Seigneur, mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Bien-aimés, chers jeunes, tous les encadreurs présents ici, na wasimamizi wote wenye kuwa hapa, j'aimerais ici vous transmettre le cœur de joie et d'amour na hapa natamani kuwasikizia moyo wa furaha na wa mapendo de notre apôtre Patriarche qui souffre pour ne pas avoir été ici. Ya mtume wetu mkuu ambaye anahangaishwa maana kuweza kufika hapa. Nous pouvons lui dire à ces instants, ne vous en faites pas, homme de Dieu. Na tunaweza kumhakikishia mnyakati usihangaike, mtu wa Mungu. Nous sommes à Kasenga, mais le cœur tourné là où vous êtes. Na sisi tuko hapa Kasenga, lakini mioyo yetu inakuelekea wewe. L'apôtre patriarche vous salue. Naye mtume mkuu anawasalimia. Très bien. Pour cette rencontre, nous entendons la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres. Na kwa makutano ya leo tutasikia neno la Mungu katika Matendo ya Mitume. Au chapitre 22, na sura yake ya 22, du 12e au 15e verset. Na kondokea mstari wa 12 mpaka kumstari wa 15. Après la prière introductive, pour ce service divin solennel sous le thème « Journée nationale de la jeunesse », l'apôtre des districts a exploité les Actes des Apôtres au chapitre 22, le verset 12 à 15. La lecture biblique faite par la sœur Marie. Thank you.
Écoutons à présent la lecture du passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, du 1er au 7e verset. Au 17e, hein? C'est 1 jusqu'à 17 alors. Voilà. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Merci. Lecture biblique faite par la sœur Marie est tirée des Actes des Apôtres au chapitre 9, versets 1 à 17. Salutations de l'apôtre patriarche. Oh Christ, mes bien-aimés, frères et sœurs. Il y a des moments dans la vie où on se pose la question de savoir, est-ce que dois-je encore faire un commentaire? Dois-je ajouter quelque chose? De temps à autre, l'apôtre patriarche nous dit, les grandes choses, lorsqu'on manque les mots pour les exprimer, ce serait mieux qu'on garde silence. Vous connaissez les concepts de ces journées nationales de la jeunesse. Et nous avons placé notre motto en disant, parle éternel car ton serviteur écoute. La référence pour nous c'était Samuel. Nous avons pris le temps
Tulichukua wakati de nous préparer ensemble. Ya sisi kujitayarisha pamoja. En disant les axes principaux par rapport à ces motos. Na tukisema shina kubwa kulingana na mtamko hii. Dieu s'adresse à moi. Mungu anasema nami. Et je suis disposé moi à recevoir ses instructions. Na mimi niko tayari kwa kupokea maagizo yake. J'agis conformément à sa volonté, à sa parole. Nitatenda kulingana na neno na mapenzi yake. Et je deviens une personnalité forte dans la foi néo-apostolique. Na ninakuwa mtu mwenye kuwa na usimamizi kubwa katika imani ya kanisa jipya ya kitume. Sauf que les parents ont reçu ce message. Na wazazi nao pia walipokea ile ujumbe. Les autres ont eu l'occasion de nous lire aussi dans les réseaux sociaux. Na wengine walipata nafasi ya kutusoma katika mtandao wa internet. Ceux de Kasenga sont témoins de cet événement. Na wapa Kasenga weko na eri kwa jambo hii. Et tout le monde attend comment deviendront-ils des personnalités fortes dans leur foi néo-apostolique. Na wote wanaongojea gisi gani watakuwa wasimamizi kuu katika imani ya kanisa jipya ya kitume. C'est ainsi que le thème de ce service divin. Na ni vile kishina cha ibada takatifu hii. C'est les journées nationales de la jeunesse. Na ni masiku ya taifa ya vijana. Comme axe principal. Na sasa neno ama kishina kubwa. Être transformé. Manake kubadirishwa. Voilà pourquoi nous sommes venus à Kasenga, chers amis. Na ndio maana tulikuja hapa Kasenga wapenzi marafiki. Être transformé. Kubadirishwa. Et le texte de base. Na neno ya msingi. C'est dans ces actes des apôtres. Ni katika hii matendo ya mitume. Au chapitre 22, les versets 12, 13, 14 et 15. Na kusura yake ya makumi mbili na mbili na misari kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na ine na kumi na tano. Et quel est le message lié à ce service divin? Na basi ni nini ujumbe nayo ambatana na ibada takatifu hii? Nous sommes transformés par notre rencontre avec le Seigneur. Na sisi tunabadirishwa na mikutano yetu pamoja na Bwana. Au travers de sa parole. Na kupitia neno lake. Des sacrements. Na kupitia sakramento. Et de l'apostolat. Na kupitia kitume. C'est par là que passe notre transformation. Na ni kupitia ile kutatimilika mabadiriko yetu. Vous avez suivi tout à l'heure la sœur Marie qui nous a fait une très très bonne lecture. Na ni mfata nyakati kidogo hii dada Marie alitusomea kwa. Elle nous a rappelé l'histoire de la conversion de Saul. Na yeye alitukumbusha historia ya kubadilika kwa Paulo. Comme nous sommes dans le chapitre de personnalité. Na kadiri tuko mwile sura ya usimamizi. Nous avons été préparés. Tulikuwa wenye kutayarishiwa. Nous avons été conduits ici à Kasenga. Na tuliongozwa hapa Kasenga. Nous sommes présentés ce matin devant l'hôtel du Seigneur. Na mbele ya altari ya Bwana tumnasimama siku ya leo. Comme de véritables Samuel. Kadiri wa Samueli wa kweli. Avec l'esprit de Samuel. Na roho ya Samueli. Maintenant ce qui va se passer. Na sasa yenye tapitikana. Nous devons porter à nous une deuxième personnalité. Tunapasha kuchukua ndani mwetu mtu wa pili. De Samuel à Saul. Maana yake Samuel kuondokea Samueli na kuelekea kwenye kwa Saulo. Alors nous devons nous aussi nous comporter comme Saul. Na basi sisi nasi tunapasha kutenda kadiri Saulo. Changement de personnalité. Na tubadirishe mtu wetu. Transformation inclut aussi changement. Maana yake mabadiliko inaomba pia tugeuke. Jeune, il faut de faire trop attention. Na wavijana tunapasha kutia angalisho kubwa. Lorsqu'il s'agit de Paul. Wakati maneno inahusu Paulo. Et lorsqu'on parle aussi de Saul. Na wakati wanasemezea pia kuhusu Saulo. C'est la même personne. Na ni mtu moja moja. Si vous relisez dans les actes des apôtres ce même chapitre 22. Na kama mnasoma katika Matendo ya mitume hii sura ya makumi mbili na mbili. Le verset 3. Na mstari wa tatu. Il dit. Inasema. Je suis juif. Mimi niko myuda. Ne a Tarse en Cilicie. Aliozalikwa pale Tarso katika Kilikia. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci. Lakini mimi nilikomalishwa katika mji huu. Et instruit au pied de Gamaliel. Na niliagizwa kumiguu ya Gamalieli. Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Katika ufahamu kuu zaidi wa sheria za baba zetu. Étant plein de zèle pour Dieu. Na mwenye kujaa tele na bidii kwa ajili ya Mungu. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Kadiri nyinyi pia mnabidii siku ya leo. De ses origines hébraïques. Na sasa asili yake ya Kiebrania. On l'appelle Saul. Walikuwa akimuita Saulo. Mais comme il était né
pas à Rome, mais dans l'Empire romain de l'époque. Lakini vila lizali kwa iko pale Roma, lakini katika ile utawala wa Roma wa ile nyakati. Il portait aussi ses origines romaines. Naye alikuwa mwenye kuchukua pia asili yake ya Kiroma. Parce que Cilicie, ce n'est pas à Rome, mais Cilicie c'est en Turquie, on pouvait dire, de ses origines turques. Na pale Kilikia ikukua pale Roma, lakini ilikuwa ni kuturkie, maana yake asili yake ya kuturkie. Donc n'acceptez plus cet enseignement qui vous dit. Nani msikubali tena ile mafundisho nayo mielezea ya kama. Le changement a fait de lui Saul et il est passé à Paul. Na mabadiliko alifanya kama ile jina yake ya Saulo ligeuka kuwa Paulo. Le changement plutôt que vous devez apprendre aujourd'hui. Lakini mabadiliko ambayo mnapasha jifunza siku ya leo. C'est du persécuteur à l'apôtre. Maana yake alibadilika kuacha kazi ya kutesa kanisa na kuwa mtume. D'un serviteur de l'ennemi au serviteur de Christ. Ama ligeuka aliacha kuwa mtumishi wa adui na kuwa mtumishi wa Kristo. Parce qu'il était au service du souverain sacrificateur. Maana yeye alikuwa kwa kazi ya mtawala ya kuhani mkuu. Quel est le problème? Maneno ni nini? Ils étaient contre la nouvelle doctrine. C'était ça le problème, la lutte. Na wao hawakuwa nakubali ile mafundisho mpya. Ce souverain sacrificateur se comportait comme ennemi de Jésus. Na sasa ule kohani mkuu alikuwa anatenda kadiri adui wa Yesu. Et Paul le soutenait dans ce travail là. Na Paulo alikuwa akimsaidia katika ile kazi. Il accomplissait des missions. Alikuwa anatimiza kazi. Il était là, présent lors de la mort de Diocletien. Na yeye alikuwa pale wakati Etienne alifariki. Il change. Anabadilika. C'est ce même changement dont on fait appel aujourd'hui. Na ile mabadiliko moja moja wanaalika cette transformation, ce changement de personnalité. Na mabadiliko na kugeuza mtu wetu. De persécuteur à l'apôtre. Na kubadilika kuwa kuacha kutesa kanisa na kuwa mtume. Du serviteur de l'ennemi au serviteur de Christ. Na tokea tena mtumishi wa adui na kuwa mtumishi wa Kristo. Mais le problème c'est encore l'homme. Na sasa maneno ni mtu. L'homme a ses opinions. Na mtu anakuwa na maoni yake. Par rapport à son prochain. Kulingana na jirani wake. Je suis sûr vous êtes aussi victime de cette attitude. Na mimi na uhakika ya kama nani pia mnashambuliwa kwa hali hiyo. Lorsqu'on émet une opinion positive. Wakati unaleta maoni nzuri. Bon, ça encourage quand même. Na yao inatia moyo. Mais beaucoup plus on émet des opinions qui sont négatives. Lakini zaidi watu wanaleta maoni mbovu. Ça tendance à nous décourager. Na yao inania kutupunguza udhari. Ça tendance à nous faire culpabiliser davantage. Inania ya kututia katika hali ya kosa zaidi. Parce que les hommes semblent être durs envers nous. Maana watu wanaonekana kuwa wakali mbele yetu. Surtout lorsqu'on est jeune. Na zaidi wakati tuko vijana. On semble être plus sévère vis-à-vis de nous. Na wanakuwa wakali zaidi kwa ajili yetu. C'est la vision humaine. Ile ni maoni ya mtu. Sauf que Dieu ne regarde pas les choses de la même façon. Vous avez suivi l'apôtre patriarche, non? Nani mfata mtume mkuu? Covid-19. Covid-19. Chez nous au Congo, 3e vague. Chez eux, je ne sais pas si c'est 46e vague. Na huku kwetu Congo ni 3e vague, lakini kule kwao sifamie kama ni 46e vague. L'apôtre patriarche a été clair. Naye mtume mkuu alikuwa wazi. 3e, 46e, 100e, le salut ne va pas bouger. Na sa ikue ya 3, ya 4, ya 14 na sita, okofu haitateka. C'est ça ta position. Ni ile msimamo yako. C'est ça pour toi, cette assurance que tu dois avoir de la part de Dieu. Na ile ni kwako wewe ni ile hakikisho unapasha kuwa nayo utokea Mungu. Et la manière de voir sa volonté. Na namna yako ya kuona mapenzi yake. Ne soyez plus découragé. Na msipoteze udhari. À cause de ceci ou de cela, peut-être les objectifs ne seront plus atteints. Na kwa ajili ya kimoja na kingine sa zingine tutafikia vifukuzio. La sœur m'a rappelé ça tout à l'heure à l'accueil. Na ule dada alinikumbusha wakati kidogo wakati ya kunipokea. Il m'a dit APD, les démons, il était aussi en noir et blanc, les démons étaient aussi extérieurs, donc il était interne et externe. Na anasema demoni alikuwa wa ndani pia na wa nje. Et le démon interne a collaboré avec l'externe. Na ule demoni wa ndani alisaidiana na wa nje. Quel est le résultat de leur travail? Échec total, parce que les JNJ ont bel et bien lieu. Na sasa mapato yao ni nini wanashinda maana masiku ya vijana inatimilika. Alors qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'entrer dans ce royaume frères et sœurs? Na basi nini tawazuiza kwa kuingia katika ile ufalme ndugu na dada? Qu'est-ce qui ferait que Dieu n'accomplisse pas son plan? Na basi nini itafanya kama Mungu asitimize mipango yake? Sa volonté suprême il l'accomplira. Mapenzi yake kuu ataitimiza. L'autre chose que nous sommes appelés c'est à voir le juste. Maneno mengine ambayo tumealikwa ni kumuona mwenye haki. Ça rejoint ce que je vous ai dit au début de ce service divin.
divin. L'homme a sa vision, l'homme a ses opinions. Voir le juste, c'est toujours regarder vers le Seigneur. Vous avez chanté tout à l'heure, maître la tempête. Et j'ai dit, ces jeunes ne sont pas gentils. Et ils sont à la plage, les pauvres APD, lui, il est sur la rivière. Et quand viendra cette tempête, donc je suis le premier candidat à aller de l'autre côté. Non, je regarde vers le Seigneur. Parce que cette tempête avait secoué la barque. Ils avaient pris peur. Ils sont allés vers le maître. Au lieu de dire, maître, tu dors, jette-toi, l'eau va se sauver. Non, il pleure, maître, tu dors, nous on meurt. Ah bon? Apprenez à regarder vers le Seigneur au lieu de pleurer. La tempête sera toujours là, ça va secouer les bus, ça va secouer les JNJ, ça secouera votre vie. La tempête sera toujours là. Apprends à regarder le juste. Regarde Jésus. Fixe le regard au Seigneur. Et vous connaissez l'histoire. Tu marcheras sur ces eaux comme Pierre l'avait fait à son temps. Ne prends pas peur par rapport aux flots et vagues. Il est maître des temps et circonstances. Ce qui nous est encore demandé de faire, entendre les paroles de sa bouche. Et dans notre processus de transformation et de changement, nous ne sommes pas découragés par les opinions des gens. Dieu a toujours une opinion positive par rapport à nous. Il a fait son travail. Le travail de la conversion. Mais le travail de la défense de notre conversion, Dieu ne le fera pas. Alors c'est la mission que vous avez reçue. D'aller et de défendre votre conversion. Et le processus de la conversion commence par l'écoute de la parole, suivi de la réception des sacrements, et enfin de se laisser conduire par l'apostolat. Nouvelle personnalité que nous sommes devenus. Nous sommes appelés à accepter la volonté de Dieu, à regarder vers le Seigneur le juste, et à continuer à écouter les paroles qui viennent de sa bouche. Le dernier travail qu'on nous confie, c'est d'aller de porter témoignage à tous les hommes de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu et de ce que vous êtes en train de vivre dans l'apostolat. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Amen. Le service divin a comme axe principal être transformé. Après avoir développé la parole des dieux, l'apôtre des districts a invité devant l'autel les apôtres responsables du Kasaï oriental, Joseph Kalambay, et Kasaï occidental, Antoine Katalay, comme intervenants.
bien-aimés en Christ, chers jeunes. Wapendwa katika Bwana, wapendwa vijana. C'est pour moi une joie exceptionnelle parce que je viens de vivre ce que le Seigneur avait préparé pour vous, pour nous tous. L'apôtre responsable Antoine Katalay, du côté de Kananga, est aussi parmi nous. Namtume kiongozi Antoine Katalay wa Kananga iko kati yetu. S'il vous plaît, cher choriste, pouvez interpréter un cantique. Na tunawasi wapende wako mnaweza kuimba wimbo. Et nous sommes appelés à écouter l'apôtre responsable. Natume alika kwa kumsikia mtume kiongozi. De par ce que nous avons vu et entendu, ne pas vous remercier serait de l'ingratitude de notre part. Amen. Merci aux apôtres responsables pour leur intervention. Bien-aimés, vous pouvez exécuter les cantiques de fin de prédication, s'il vous plaît.
Na mtu alio badirishwa na kugeu kubadirishwa a aussi droit à un repas spécial. Naye anashiria kwa chakula ya upekee. Oh, hier vous étiez un tout petit peu fâché. Na jana mlikasirika kwa kidogo. On m'a dit par la sécurité au niveau de la fouille. Walinyelezea ku wale walikuwa na ngalia katika masakoshi. On a récupéré des casseroles de bukari, de sombe, matembele, kitoyo, ngaingaye. Tout ça, on a récupéré là. Walichukua chakula yote ile ya aina mbalimbali. On avait dit, sont des méchants. Anasema ni weko kali zaidi. Non, nous sommes des éducateurs. Hapana, sisi tuko tunawaadibisha. C'est que vous n'avez pas compris. Yenye mkuelewa. C'est ce que vous allez découvrir à ces instants. Na ni yenye mtavumbua nyakati. Là, vous avez tous pris le même repas. Na kule mlichukua wote chakula moja. Avec les mêmes portions. Maana yake mkima moja moja. De la même qualité. Na ali moja moja. Sans qu'il y ait de différence. Akukua chanisho hata moja. Jeune. Vijana. C'est cette église là que nous souhaitons imprimer aujourd'hui. Na ni ile kanisa tunatamani kuchapa siku ya leo. L'église où vous vous regardez l'un par rapport à l'autre, tu dis nous sommes au même niveau, nous sommes égaux. Na kanisa mbama mnatazamiana moja na mwingine mnasema tuko mkimo kimoja tuko sawa sawa. Nous sommes tous égaux devant les yeux de notre Père Tout-Puissant. Na tuko sisi wote sawa sawa mbele ya macho ya mwenye uwezo yote baba wetu. Il n'y en a pas un qui soit au-dessus de l'autre. Na hakuna moja mwenye kwa juu ya mwingine. Deuxième message. Na ujumbe wa pili. C'est comme si vous avez plongé la main dans une même coupe. Inakuwa kadiri mulitia mkono katika kikombe kimoja. Pour tremper votre pain. Kwa kutia mkote wenu. Et le manger ensemble. Na kuikula pamoja. C'est l'esprit d'unité. Ni roho ya umoja. C'est l'esprit d'équipe. Ni roho ya kuwa katika ushirika. Comme votre pasteur. Kadiri mchungaji wenu. C'est comme cela que nous souhaitons construire et bâtir notre jeunesse. Na ni vile tunatamani kujenga ujana wetu, vijana wetu. Nouvelle personnalité. Maana yake watu wapya. C'est celle là qui se met dans l'amour du prochain. Ni wale wanajitia katika mapendo ya ujirani. Il regarde l'autre état égal à lui. Anamtazamia mwenzake kadiri anafanana naye. Il développe l'esprit de l'équipe. Anakomalisha ile roho ya ushirika. Il considère que la souffrance de ma soeur et de mon frère est aussi la mienne. Anatazamia kama mateso ya ndugu na dada wangu nayo pia ni yangu. Il considère que la joie de mon frère est aussi la mienne. Anatazamia pia kama furaha ya ndugu yangu pia iko pia yangu. Je ne souhaite plus qu'on puisse vivre dans cette église ce que moi je vis actuellement. Na sitamani tuishi tena katika hii kanisa maneno ambayo mimi naishi sasa hivi. Lorsque l'un ou l'autre est dans la souffrance. Na wakati mmoja na mwingine anatesa. Nous y allons. Tunaenda. Avec un esprit entre guillemets de compassion. Na roho tunaweza kusema ya huruma. Juste regarder dans les moindres détails. Na kutazamia tu katika uketo wote. Sur le chemin de retour critique. Na njiani mwa kurudi masimango. Et lorsque l'autre se réjouit. Wakati mwingine anafurahi. Nous commençons même à gifler les enfants. Vous voulez pas intelligent. Parce que la joie de mon frère crée de la nervosité en moi. Na pale tunaanza kupiga hata watoto maana furaha ya ndugu yangu inaleta kasirani ndani mwangu. Vous avez bu la même eau. Mulikunwa maji moja moja. Le même repas vous avez mangé. Mulikula chakula moja moja. Vous avez partagé le même pain. Muligawanya mkate moja moja. Cette image de JNJ que vous venez de vivre. Na alama hii ya masiku ya vijana mnaondokea mkuishi. Effectivement ce que nous allons célébrer à ces instants. Na ni yeye tutasherekea mnyakati. Nous avons un même Seigneur. Na tuko na Bwana mmoja. Nous avons un même apôtre patriarche. Na tuko na mtume mkuu mmoja. Nous partageons le même pain. Tunagawanya et nous moja. Allons boire le même vin. Na tunakunwa divai moja. Au cœur de notre faiblesse. Na katika uzaifu wetu. Prenons le temps de nous repentir au dedans de nous. Tuchukue nyakati ya kutubu ndani mwetu. En disant Seigneur, le corps et le sang de ton fils que nous allons prendre ce jour. Tukisema Bwana mwili na damu vya mwanako utavichukua siku ya leo. Puisse souder solidement nos liens spirituels. Na vikaze tena zaidi uhusiano wetu wa kiroho. Jeunesse unie. Église unie. Na vijana wenye kuwa katika umoja, kanisa yenye kuwa katika umoja. Et cette église là, elle est automatiquement forte. Na kanisa ile kwa mara moja ni yenye nguvu tele. Kwa Bwana sera exécuté comme cantique de repentance, s'il vous plaît. Kwa Bwana ni wimbo taimba kwa kitubio ni nawasi.
Levons-nous pour réciter la prière que nous enseigne notre Seigneur en français. Natimame kwa kusala sala bwana aliyetufundisha katika lugha ya Kifaransa. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Du fond de l'âme, tout puissant, un immense merci. Na santi mwenyewezo yote inaondokea chini ya mioyo yetu. Dans ce cercle particulier. Katika kikundi hiki cha upekee. Lorsqu'on est jeune, wakati tuko kijana, on se pose mille et une questions par rapport à son comportement. Juliza maulizo mingi kulingana na mwenendo wetu. Comment est-ce que les autres me regardent? Na gisi gani wengine wananitazamia? Quels sont les avis qu'ils émettent par rapport à moi? Na ni maoni gani wanayo juu yangu? Des fois on pleure. Na wakati nyingine tunalia. Ma vie n'a pas de sens. Na wakati nyingine maisha yetu yana maana. Na wengi, hata mmoja parce que je suis méchant, méchante. Maana mimi niko mkali. Parce que je semble être mauvais. Maana naonekana kuwa mbaya. Seigneur, Père Tout-Puissant. Bwana Baba mwenye uwezo yote. Aujourd'hui, ils ont un avocat. Na leo wanakuwa na mtetezi. Le Seigneur ne juge pas. Na Bwana si hukumu. Dieu pardonne. Mungu anasamehe. Mais eux aussi doivent ouvrir leur cœur. Nao pia wanapasha kufungua mioyo zao. En disant, pardonne-nous Seigneur. Wakisema utuhurumie Bwana. Change-moi Dieu. Unibadilishe Mungu. Le corps et le sang de ton fils que je prendrai dans ce cercle de la jeunesse. Na mwili na damu ya mwanako nitavichukua kwa kikundi cha vijana. Puisse me donner des forces nouvelles. Vinitie nguvu mpya. Faire de moi une nouvelle personnalité. Kunifanya kuwa mtu mpya. Mais ce repas de communion. Na yenye kuwa na alama ya ushirika. Ce repas d'unité. Na hii chakula ya umoja. Doit aussi souder les liens de notre jeunesse. Inapasha kujenga uhusiano wa vijana wetu. L'église de demain soit beaucoup plus meilleure que celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Na kanisa ya kesho iwe bora zaidi kushinda yenye tunaishi siku ya leo. Que l'amour du prochain ne soit pas un slogan, mais une œuvre. Na mapendo ya ujirani sikuwe tu msemo lakini iwe tendo. Père, merci pour le sacrifice de Jésus. Na baba asante kwa toleo la Yesu. Merci pour le pardon des péchés. Asante kwa usamehe wa makosa. Merci pour l'envoi des apôtres. Asante kwa kuwatuma mitume. Seigneur, accorde-nous mieux et plus. Bwana ututimizie mengi na mazuri. Exauce-nous au nom de Jésus. Utukubali mujina la Yesu. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Cène. Asa tasherika kwenye meza ya karamu takatifu. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Cène. Et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il y revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen.
Mshukuru Bwana. Du fond de l'âme, Père Tout-Puissant et Père Bien-Aimé, Baba mwenye uwezo yote na Baba mpendo akondokea chini ya nafsi yetu, nous te disons un immense merci à la fin de ce service divin. Pigia asante kubwa mwisho wa ibada takatifu hii. Les jeunes eux-mêmes l'ont déclaré. Wa vijana peke yao waliitangaza. Le rêve est devenu réalité. Na ndoto yao leo inatimilika. Mais ils sont restés à genoux plusieurs jours. Lakini walibaki wakiomba masiku nyingi. Les mains jointes avec leur offrande. Na mikono yenye kufunga na sadaka yao. Et aujourd'hui, ils ont l'occasion de l'avoir déposée dans les troncs d'offrande. Na leo wana nafasi ya kuitia sanduku ya sadaka. Ils n'ont pas offert à un homme, moins encore à une organisation. Hawakumtolea mtu wala matayarisho fulani. Ils viennent de professer leur foi au Dieu créateur. Chaque jeune au cœur de sa faiblesse. Sauf que toi, tu ne regardes pas les jeunes comme nous, nous les regardons. Des fois, nous sommes durs envers eux. Nous émettons des jugements négatifs. Mais toi, tu les aimes. Toi, tu les justifies. Tu les as transformés comme outils dans ta main. Seigneur, automatiquement, ils sont bénis. Nous prions c'est aussi pour tous ceux qui ont soutenu ce projet. Naombi zetu pia ni kwa wote waliosaidia matayarisho hii. Les hommes et les femmes. Wandugu pamoja na wadada. Dans les commissions et sous-commissions. Katika vikundi vyote mbalimbali. Ceux de la coordination. Wale wa kukua kiongoza. Prions pour eux particulièrement. Tunawaombea nao pia kwa upekee. Ils ont donné corps, âme et esprit. Na wao walitoa mwili, roho hata nafsi. Ils ne peuvent que être fiers. Wanaweza tu kupaka kuwa wenye heri. Dieu a béni leur travail. Na Mungu alibariki. Ils sont automatiquement bénis. Mais nous prions beaucoup plus pour ceux qui ont douté. Sur le chemin de retour vers les familles, Père, soit avec eux. Accorde à cette jeunesse l'avenir. Dans les études. Dans les mariages. Dans les travaux professionnels. Au sein de l'église. Des véritables témoins et apostoliques. Shuda wa kweli na wakitume wa kweli. Ceux qui sont prêts à soutenir le travail des apôtres. Wenye kuwa tayari kwa kusaidia kazi ya mitume. Seigneur, comment oublier nos autorités? Na Bwana gisi gani tuwasahau wenye mamlaka wetu? Nous aimerions prier particulièrement pour notre gouverneur de province du Haut-Katanga. Na kwa upekee tunatamani kumwombea aliwali wa jimbo yetu ya Haut-Katanga. Tous les membres du conseil de sécurité. Pamoja na wanamemba wote wa kazi ya usalama. Sans leur accord, notre présence ici ne pourrait même pas se faire. Na bila ruhusa yao hatukuweza kufika hata mahali hapa. Ces hommes ont ouvert leur cœur. Alors Seigneur, ouvre les yeux et accorde-leur une bénédiction particulière. Sois béni l'administrateur du territoire de Kasenga et tous ses collaborateurs. Les hommes et les femmes de ce territoire qui nous ont accueillis comme leurs propres enfants. Père éternel, nous prions encore une fois de plus pour le pays et la paix. Nous te demandons, Seigneur, abrège le temps, envoie Jésus qui vient nous chercher. Nous ne sommes pas en train de fuir la troisième vague. Mais nous aimons les jours de ton avènement. Père éternel et Père d'amour, prends-nous tous ensemble à ces instants. Va nous déposer dans le cœur et main de prière de notre apôtre patriarche Jean-Luc Schneider. Accorde-nous, Seigneur, mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus, ton utukubali Fils. Mujina la Yesu, mwana wako. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Nema ya Bwana wetu Yesu l'amour Christu, de Dieu, mapendo ya Mungu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyinyi wote. Amen. À chaque prière, na kwa kila ombi, par rapport à l'organisation de ces journées, kulingana na matayarisho ya masiku hii, je disais aussi amen. Nami nilikuwa ninasema amina. Mais je peux dire aujourd'hui, c'est vraiment le grand amen. Lakini naweza kusema leo ni amen kubwa. Toutes les étapes du service divin, selon la doctrine apostolique, ont été respectées. La chorale et l'orchestre
ont joué leur partition. Expression de gratitude oblige, l'APD Tshiki Tshisekedi a remercié les autorités du pays, les gouverneurs du Haut-Katanga et ses collaborateurs pour avoir permis l'organisation de ces journées nationales de la jeunesse. Alors vint la page des remerciements. Na sasa kunakuwa nyakati ya kuwapigia asante. Alors on va d'abord commencer par les prochains. Na tutaanza kwanza na jirani. Ce sont nos autorités politico-administratives. Ni wenye mamlaka wetu wanaotuongoza katika jimbo. Nous voyons les gouverneurs, tous ses collaborateurs, l'administrateur du territoire ici na, et tous les services. Na tunaona liwali wetu wasaidizi wake administrateur wa territoire na makazi yote. Ceux qui sont dans les services de renseignement, dans l'armée, dans la police, dans l'administration. Na wenye kuwa katika kazi ya ANR Jesse na Katia Wampulushi. Leur accord nous a permis de célébrer Dieu en ces lieux. Na rusa yao ilituruhusu kwa kumshangilia Mungu mahali hapa. Le gouverneur m'avait dit il était secret. Il a reçu aussi son kit. Hein. Bon, c'est ça entre nous. Bon, il a aussi son kit. Il a dit, apôtre, mais j'avais bien voulu être là, mais malheureusement, mon agenda. Je lui ai dit, ne vous en faites pas. Je serai votre représentant et les jeunes vont vous transmettre leurs remerciements. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Alors, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour que vos remerciements arrivent vers nos autorités. Fort. Voilà. Donc, j'espère que c'est arrivé déjà au niveau du gouvernorat. Nazania kama inafika mara moja mu ofisi ya liwali. Dans toute organisation, katika matayarisho yote, si vous attendez la perfection, il faut décider d'aller au ciel. Na kama munaongojea ukamilifu, inafai kuamua kwa kwenda mbinguni. Bon, comme le ciel n'est pas encore ouvert jusqu'à 12h30, peut-être il faut commencer par l'au-delà en attendant l'ouverture. Na kadiri mbingo yafunguliwa, inafai kuanzia kumji wa ngambo tukiongojea wafungue. L'œuvre humaine aura toujours des imperfections. Na kazi ya watu kunakuwa paka maukosefu. Est-ce que vous pouvez accepter que je vous présente mes excuses au nom de mes frères, ces sœurs qui étaient dans l'organisation, mais ça et là qui n'ont pas réussi à accomplir leur mission. Na munaweza kukubali niwaombe kwa usamehe mujina wa ndugu na wadada wangu waliokuwa katika vikundi mbalimbali mwenye huku na kule havikuweza kutembea vizuri. Ne nous chassez pas, si vous nous chassez vous resterez avec qui? Msitufukuze mtabakia na nani? Bon, si vous nous tuez maintenant, vous commencez à faire compliqué. Na sasa kama mnatua itakuwa tena mvuruko zaidi. Faites-nous grâce et je vous demande pardon. Mutujalie neema na waomba huruma. Pardon au nom de mes frères, pardon au nom de mes sœurs. Muturumie mujina ya wandugu na wadada wangu. Ils l'ont pas fait exprès. Hawakuifanya kwa kumakusudi. Ils sont pas venus avec cet esprit là. Hawakukua na ile roho. Mais mettez-vous à leur place. Lakini mulitie pa nafasi yao. Vous avez vu le volume en termes d'organisation? Na muliona wingi wa watu kadiri matayarisho. En tout cas, je vous demande une fois de plus pardon. Na mara nyingine na waomba tena huruma. Je ne sais pas si vous l'acceptez quand même. Si famille kama mnaikubali kidogo. Même le Seigneur nous a pardonné. Ata Bwana alituhurumia. Parce que vous nous avez pardonné, est-ce que vous pouvez accepter? Na maana mnaturumia mnaweza kubali. D'exprimer aussi votre reconnaissance. Ya kushuhudia tena shukrani yenu. À l'endroit de ces hommes. Kwa wale wa ndugu. De ces femmes. Na wale wa dada. Peut-être que vous ne connaissez pas des visages. Sasa ngine mwafamia kwa masura yao. Mais vous avez vu leur travail. Lakini mliona kazi yao. Ils vous ont permis d'être ici. Waliwaruhusu kwa kuwa hapa. Ils vous ont permis d'être habillés. Waliwaruhusu kwa kuvaa. Ils vous ont nourri. Waliwalisha. Ils sont avec vous. Weko pamoja nani. Ils vous ont sécurisé. Wali wakingilia. Ils vont vous reconduire à la maison. Watawarudisha nyumbani. Ils ont prié. Waliomba. Qu'est-ce que je peux pas vous dire, frère? Na nini nisiwezi kuelezea ndugu? Ils ont veillé. Walikesha. Jour et nuit, travailler. Usiku na mchana walikuwa kitumika. Là-bas pour produire les macarons. Na kwa kufanya macarons. Préparer un plat de repas. Kwa kutayarisha chakula. Faire la sonorisation. Kwa kutayarisha sauti. Je ne sais pas à gauche et à droite. Sifamie kushoto na kuume. Ils sont quasiment morts. Na wesha karibu kufa. Ils sont malades. Na weko wagonjwa. Est-ce que nous pouvons les encourager? Na tunaweza kuwa en disant merci. Je n'entends pas.
J'aimerais que vous puissiez aussi adresser un remerciement particulier. Nani na tamani mpige tena accenti ya upeke. Certainement vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Na munaweza kujuliza nini napitikana? Notre frère Gabin Mwemena. Na ndugu yetu Gabin Mwemena. Et l'invité spécial de la porte de district. Ni mwaliko upeke wa mtine wa uyaya. Je n'ai même pas encore parlé, vous avez sorti ce qu'il y a au-dedans de moi. Nasia Seba Muratosha Kinekwandaniangu. Un immense merci pour le travail accompli. Aksanti kubwa, mpendwa mtumiaji wa kazi. Maintenant, il y a vos pères spirituels. Na sasa kuna wa baba zenu za kiroho. Il y a vos apôtres. Kuna mitume wenu. Il y a vos évêques. Kuna maskofu wenu. Hier, ils ont fait le travail d'intérim. Na jana walifanya kazi. Ils ont travaillé en lieu et place de vos tuteurs, de vos parents, de vos responsables. Na walitumika pana fasi ya wasimamizi wenu, wazazi wenu. Et vous comprenez que c'est seulement aujourd'hui qu'ils sont arrivés lorsqu'ils se sont rendus compte que le tout dernier jeune était à bord de son bus. Na ni mpaka tu asubuhi leo hii walifika wakati waliona kama kijana wa mwisho alikuwa mbisi yake. Comme des enfants de l'éducation de la fibre optique. Na kadiri watoto wa éducation ama madibisho ya fibre optique. Est-ce que nous pouvons dire merci papa, merci maman? Na tunaweza kusema Maxati Baba, Maxati Mama. Merci beaucoup. Aksanti kubwa. Alors, on va rester debout. Tutabaki kwenye kusimama juu. Nous allons commencer par les cantiques de moto de l'année. Donc, Christ, notre avenir, s'il vous plaît. Na tutaanza kwanza na ile wimbo Christ, notre avenir. À l'issue du service divin, les jeunes ont entonné l'hymne spécial pour immortaliser les motos de l'année 2020. Christ, notre avenir, cadeau offert à l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider. C'est musique JNJ. Musique JNJ.
ensuite met sur les cœurs l'hymne des JNJ 2020 par l'Éternel, car ton serviteur écoute, a été exécuté. Un franc succès auront été les Journées nationales de la jeunesse de l'Église néo-apostolique de la RDC Sud-Est. Vous avez applaudi pour tout le monde, mais il y a quelque chose de très important que vous n'avez pas accompli. Et pourtant, vous avez cru à l'événement. Vous avez prié pour le JNJ. Je ne sais pas à qui il faudrait décerner le trophée. Ça ne peut pas me revenir, moi encore à mes frères. Mais moi et mes frères, nous vous décernons le trophée de la réussite de JNJ et nous vous remercions très très fort. Je vous souhaite un très bon retour. Nous vous disons merci. Sachez que Dieu va accomplir tout ce que nous avons dit mot à mot dans nos prières à vos sujets. Que Dieu vous précède sur la voie. Que Dieu vous guide. Nous sommes fiers de vous. Très très fiers de vous. Et nous pouvons même nous dire que nous sommes de véritables apôtres. Et nous vous disons merci, merci, au revoir. Salema wani tuye, Salema wani tuye, Chichi wani tuye, Chichi wani.
De l'Église néo-apostolique de la RDC Sud-Est.